les autorités qui sont certainement dans des phases d'investigation n'ont pas rendu publiques les causes réelles et sérieuses. Nous ne pouvons qu'avoir des brides d'informations de la part de quelques personnes qui étaient autour de l'installation. Et quelles sont ces bribes d'informations? Peut-être les relater ici, même si ce serait remuer, on le sait, le couteau dans la plaie des familles endeuillées. Mais quand même, pour comprendre, ces employés, on a lu ici et là, on a regardé aussi sur les réseaux sociaux et même dans le communiqué pondu par l'ONEP, on a vu qu'il s'agissait d'une opération de maintenance. Peut-être vous qui êtes le spécialiste, avoir les mots exacts. Mais il est évident que l'éruption de ce puits est intervenu au cours d'une opération de workover, qui est une opération de maintenance de puits. Et malheureusement, les conditions de sécurisation de ce puits ne se sont pas faites dans les limites de temps admissibles. Et le contexte et l'environnement disposant d'un point chaud, notamment d'une machine tournante, et du gaz et du brut qui émanait de ce puits, ont entraîné l'explosion. C'est un accident, mais c'est quoi un accident? Un accident, c'est généralement soit une erreur humaine, oui, soit une erreur de fabrication matérielle, soit oui, une défaillance technique. Mm-hmm. C'est un accident. Il y a des responsabilités à déterminer parce que cet accident aurait pu être évité. Alors, on parle quand même, selon le ministre du Pétrole, de la plus grande tragédie du secteur pétrolier. Est-ce que cela s'est déjà produit? Est-ce qu'il y aurait déjà eu des accidents de la sorte dans le secteur? Oui, ce n'est pas le premier du genre. C'est celui qui présente le plus grand nombre de décès. On se souvient d'Obangay en 2016. On se souvient d'Obangay en 2016, notamment le 12 mars 2016. Donc, un bac d'hydrocarbures avait explosé et emportant la vie sur le coup à un travailleur gabonais, un prestataire. Mmh. Et par la suite, il y a deux autres qui avaient trouvé la mort, qui avaient succombé aux blessures. Donc, c'était en 2016. Et en 2022, chez Perenco, toujours au cours d'une opération de workover, mmh, et toujours même dans cette même unité qui a été sujette à l'accident du 20 mars, il y a eu un mort. Un opérateur grue qui est décédé à la suite d'un accident lié à cette machine. Et nous sommes en 2024, et là, toujours chez Perenco, et toujours cette même unité de P115 du rig workover, on a 6 morts. Bernard Christian Ricoulon, on parle de 6 morts. Est-ce que ce ne sont pas 6 morts de trop, finalement? Au regard de ce que nous voyons de cette entreprise, effectivement, nous disons que c'est 6 morts de trop. Ces 6 morts de trop qui auraient pu être évitées si et seulement si Perenco s'attelait à effectuer des opérations dans les règles de l'art. C'est-à-dire, expliquez-vous davantage. Ben, déjà, il faut savoir que Perenco exploite des puits de pétrole, appelés des puits des champs matures, qui, en temps réel, en temps normal, ne sont pas exploités, ou du moins ne sont plus exploités par des majors. Pourquoi? Parce que ce sont des puits qui sont en fin de vie, et puits qui dit en fin de vie dit une exploitation assez particulière. Ce qui fait que cette exploitation nécessite des techniques, installations, des infrastructures particulières. Des infrastructures particulières, une maintenance particulière. Et si cette maintenance n'est pas effectuée comme il le faut, on arrive à ce genre de situation. Alors, à écouter, Bernard Christian Ricoulay pointe du doigt de suite l'entreprise. Est-ce que lorsqu'on constate une défaillance, comme ça a été le cas sur la plateforme de Bécuna, est-ce qu'il ne faut pas mettre à l'arrêt cette plateforme, Monsieur Mayami? Bien, c'est une plateforme puits. Et c'était une opération particulière sur ce puits. Les procédures de sécurité, si elles avaient été respectées. J'allais d'ailleurs vous poser la question, est-ce que les procédures de sécurité ont été respectées? Est-ce que les employés étaient équipés de PI, par exemple? Bon, à ce niveau-là, ce n'est pas le PI qui est l'élément important. C'est quoi? S'il y a une explosion, vous pouvez être rempli de tous les EPI possibles. Oui. Bon, vous allez finir cramé, permettez-moi l'expression. Il s'agit de ce qu'il y a des procédures, étape par étape, de sécurisation d'un puits. Et à un certain moment, il y a le temps
où on ne peut plus rien faire, il faut évacuer la zone. Mm-hmm. D'accord ? Lorsque nous regardons les vidéos, la principale vidéo qui a été présentée quelques minutes avant l'explosion, nous voyons que malgré que le bruit giclait, les travailleurs ont l'impression, du moins nous avons l'impression que personne n'est... Voilà, ne se sentent pas en danger, comme s'ils avaient l'habitude de gérer ce genre de situation. Alors qu'à quelques mètres de là, il y a un paropac, donc une unité, une machine tournante, d'accord, qui émet des étincelles, et tout le monde connaît la théorie physique de gaz, d'oxygène, étincelles, et puis c'est boum. Donc, à un moment ou à un autre... Et au-delà des procédures, au-delà de la sécurisation des puits qui n'étaient pas maîtrisées, il aurait fallu que quelqu'un dise évacuer. Oui, et ça n'a pas été fait, Bernard Christian Ekula. À côté de cela, est-ce que ce genre de défaillance ne nécessiterait pas également des missions d'inspection, finalement, de l'administration publique, du ministère en charge des hydrocarbures, par exemple? Mais c'est ce que nous demandons depuis des années. C'est ce que nous demandons au vu des accidents, on va dire, à répétition, surtout venant de cette entreprise. Bon, malheureusement également, ce que nous avons constaté sur le terrain, quand je dis nous, je parle bien de certaines organisations de la société civile alertées sur certains faits, ce que nous avons remarqué, c'est que par le passé, des inspections étaient faites, mais très souvent des inspections conduites par Perrinco. C'est-à-dire, lorsque les agents des différents organes de contrôle venaient, c'est Perrinco qui organisait ces missions, c'est Perrinco qui emmenait ces agents vers des sites bien précis. Bon, vous comprenez que dans On ne peut pas être jugé parti, monsieur Mahabi Binet. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? Mais on ne peut pas être jugé parti. Madame, j'ai été d'autant plus choqué lorsque j'ai écouté le Premier ministre qui a intervenu à Perrinco lorsqu'ils sont... Le gouvernement allait rendre hommage aux victimes. Le Premier ministre dire à la République, à la nation gabonaise, que Perrinco s'est engagé à faire venir des spécialistes pour mener une enquête. Mais on ne peut pas être jugé parti. L'État gabonais a les moyens de faire venir des spécialistes indépendants pour mener une enquête. Donc il y a également l'État qui ne joue pas son rôle. Mais il faut que les gens prennent les responsabilités. Ouais. On ne peut pas, au niveau de responsabilité, accepter que celui qui est accusé, celui qui semble être l'auteur de la mort de six personnes, soit celui-là qui va aller chercher les experts pour venir démontrer que c'est lui le fautif. Il y a un problème là. Il y a un vrai problème, Bernard Christian Ekula. Nous sommes en pleine période de transition et beaucoup de Gabonais espèrent en ces autorités de la transition, mais on a l'impression que ça piétine encore. Est-ce qu'il y a aussi des goulots d'étranglement qu'on ne dit pas forcément? Ben oui, forcément. Lorsque vous avez, comme l'a expliqué le président de l'ONEP, on ne peut pas être juge et parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas être également à un certain niveau de responsabilité dans les plus hautes sphères de l'État et en même temps avoir une multitude d'entreprises pétrolières. Vous comprenez? Plusieurs fois, il y a eu des fonctionnaires qui ont tenté d'effectuer leur travail, mais qui se sont heurtés au fait que, bon, arrivé à un moment, souvent, les procédures étaient arrêtées. J'ai personnellement, à l'époque, il y a 4-5 ans, alerté plusieurs directeurs. Le directeur, à l'époque, en place des eaux et forêts, lorsque je constatais des pollutions. On aura l'occasion d'arriver sur ce pan-là, mais pour rester un peu sur la question liée à la sécurité au travail, liée même au code, au respect du code du travail, est-ce que finalement, ces employés, ces six personnes étaient des employés de Perrinco? Parmi les six... Un était employé de Perrinco, un expatrié français qui était un employé de Perrinco. Un était un gabono-camerounais qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon, mais qui travaillait chez Perrinco. Et le type de contrat qu'il avait, c'était un agrément. D'accord? Donc SPI, la société SPI OGS, ça c'est une société qu'il faut fermer dans ce pays. C'est elle qui organise tout ce trafic de travailleurs. SPI n'a aucune expertise dans les métiers de walkover, aucune certification, aucune qualification. Mais SPI OGS a tous les contrats de walkover. Mais chez comment Perrinco, cette société chez se retrouve... les Prom, chez Asala. Comment et cette SPI société va se retrouve sous-louant des travailleurs, donc vers d'autres sociétés de placement du personnel. Donc il y a trois maillons de la chaîne qui voient passer le travailleur lambda qui est embauché par SNPS, qui est une prestation de service,
qui est embauché par ces deux équipes de prestation de service, mais qui se retrouve en passant par la porte de SPI chez Perrenco et à mourir chez Perrenco. Et puis après, on ne sait pas qui est responsable de cette situation. La situation, c'est la précarité de l'emploi, l'esclavagisation du travailleur gabonais. Longtemps dénoncé par l'ONEP dans ce pays, le pouvoir déchu a fermé les oreilles. Nous avons crié aux oreilles du CTRI depuis plus de 2 mois et nous avons l'impression que le CTRI dort encore. Il faut que le CTRI se réveille. Parce que l'argent du pétrole qui permet au CTRI de financer les projets, ce sont ces hommes et ces femmes misérablement payés, indignement traités et qui meurent comme des personnes sans reconnaissance. Sans dignité, sans reconnaissance. Il faut que ça s'arrête. La conséquence sera plus grave si le CTRI continue de rester silencieux. On revient effectivement sur cette question de sous-traitance. Bernard Christian, vous voulez réagir effectivement? Oui, effectivement, c'est... Vous avez posé la question de savoir comment ça se fait qu'une entreprise comme ça a tous les marchés. Mais c'est comme je vous l'ai dit, cherchez à savoir à qui appartient cette entreprise et vous comprendrez pourquoi ces entreprises, au mépris même des règles ou même des codes qui régissent finalement le secteur, comment ces entreprises arrivent à avoir ces marchés. Et effectivement, si l'ONEP le dénonce depuis plus d'une vingtaine d'années, nous, société civile, qui, à nouveau, avons investigué depuis plus de 5 ans, nous n'avons fait que décrier ce cas. Comment vous pouvez comprendre que dans un secteur qui nécessite une certaine expertise, une certaine expérience, vous avez des entreprises qui, en fait, il faut dire le mot, utilisent des intérimaires. Vous avez des gens qui sont employés comme intérimaires depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et des entreprises qui, pour la plupart, ne payent pas leurs cotisations salariales. Oui. Des entreprises qui payent, par exemple, des primes de risque à 3 000 francs CFA jour. C'est inadmissible. Monsieur Mayabi, est-ce que ça existe, des primes de risque à 3 000 francs au Gabon? Ça existe même des primes de chantier à 600 francs. D'accord? Donc, la réalité, c'est que il faut qu'on arrête de faire le débat politique. Tout le monde sait ce qui se passe. Il n'y a pas plus de 3 mois, pas de 2 mois. L'ONEP a déposé un préavis de grève chez Perrenco en dénonçant la violation des droits humains, en dénonçant la précarité de l'emploi entretenue, notamment par Perrenco et ses sous-traitants. Perrenco a refusé de s'asseoir sur la table des négociations avec l'ONEP depuis le 8 décembre jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, nous avons vu quand même que du côté du ministère des Hydrocarbures, il y a une volonté de faire asseoir tous les partenaires, dialoguer. Non, ce n'est pas la volonté qu'il faut. Ouais. Il faut aller plus loin, finalement. L'autorité de l'État est détenue par des hommes. Il faut exercer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État n'est pas faite pour rester dans les bureaux. Et quand on reçoit les partenaires, on parle comme si on était au même niveau qu'eux. Le problème, c'est que dans ce pays, des sociétés comme Perrenco ont été au-dessus des dépositaires de l'autorité de l'État. Avant le 30 août, c'était pareil. Et après le 30 août, on a l'impression que c'est toujours pareil. Malheureusement. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi, dans ce genre de plateau, nous pouvons dénoncer ce qui se passe dans ce genre de société. Finalement, messieurs, ça veut dire que les familles de ces personnes qui sous-traitaient ou qui sous-traitaient, parce que finalement, ce n'était pas direct avec la société SPI, n'auront pas droit au dédommagement de Perrenco. Ce que je veux vous apprendre, c'est que ce travailleur, je ne citerai pas son nom, de la société SPI, via une prestation, qui travaillait chez Perrenco dans le walkover, dans cette même unité qui est en cause aujourd'hui, et qui est mort sur le site de Grondin à Perrenco. Il n'a eu aucun dédommagement, si ce n'est son salaire de mois, parce qu'il était en contrat un mois. Oui. On a entendu parler de ces contrats renouvelables chaque mois. On les interrompt, on les renouvelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement mettre fin à la sous-traitance dans le secteur pétrolier? C'est la décision que nous attendons du CTRI dans les prochains jours. Une décision courageuse qui ferme toutes les prestations dans ce pays parce qu'elle ne joue pas le rôle que la loi leur confère. Cette décision est attendue. Elle doit être prise. Elle doit être prise. Parce que si elle n'est pas prise, l'ONEP va réagir. Bernard Christian Ricoula, vous étiez sur place à Port-Gentil. Ce qui a également choqué les populations, c'est la façon dont la société a voulu inhumer finalement les employés décédés sur cette plateforme. Exactement. C'est-à-dire qu'avec Perrenco, c'est une entreprise qui aime bien entretenir le flou. Elle ne communique pas. À ce jour, aucun
gabonais n'est en mesure de mettre un nom sur les victimes, parce qu'en principe, un communiqué devait être fait annonçant exactement l'identité des personnes décédées. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, un coup, Perrinco considère que ce ne sont pas ses employés, ce sont des intérimaires, des prestataires. Un coup, c'est elle qui organise les obsèques. Et malheureusement, j'ai envie de dire, au-delà de ça, c'est une entreprise qui est coutumière des faits. Je vais vous dire, par exemple, sur le plan juridique, Perrinco est considéré comme une entreprise française. Lorsque vous allez en France, Perrinco a une représentation de facette. En France, elle vous dit, non, nous sommes anglais. Lorsque vous allez en Angleterre, c'est à peu près la même chose. Ça fait plus d'un an que nous travaillons avec des cabinets d'avocats français et anglais, et c'est ça, Perrinco. C'est ça, Perrinco, une affaire, en tout cas, pour laquelle la justice a dit vouloir faire toute la lumière. Alors, je cite, « Toute la lumière sera faite sur les circonstances qui ont conduit à cet accident et les enseignements qui doivent en être tirés », cite Marcel Abéquet, le ministre de tutelle. Peut-on croire en la justice gabonaise face à ce mastodonte, finalement ? Moi, j'aimerais bien y croire. Mais rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, je crois, ça doit faire un an ou deux ans, nous avons vécu la plus grande catastrophe pétrolière de l'époque, qui avait été la rupture du tanker au niveau du terminal pétrolier du Cap Lopez. Oui. À ce jour, j'aimerais bien savoir ce que dit la justice concernant ça. Nous n'avons jamais eu de suite. Monsieur Maillard. Il faut qu'on se dise la vérité. Mm-hmm. L'administration publique ou judiciaire était muselée au temps du régime Bongo PDG. Déchu, oui. Et ses opérateurs avaient les moyens de faire taire la justice, de faire taire les autorités administratives. D'accord ? Mm-hmm. En réalité, la question qu'il faut poser, c'est pas est-ce qu'on peut faire confiance en cette justice. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on peut faire confiance au CTRI ? Parce que l'espoir qui a été redonné aux travailleurs gabonais aujourd'hui, aux populations gabonaises aujourd'hui, elle n'est pas fondée sur la justice, ni sur l'administration. Elle est fondée sur le CTRI, sur le discours du président général Oligui. Il faut qu'aujourd'hui, le CTRI soit au rendez-vous des promesses et de l'espérance qu'il a suscitées en ce peuple et en ces travailleurs. Parce que finalement, quand on parle de restauration des institutions, c'est également la restauration de la dignité humaine. Exactement. Tout naturellement. La première institution, c'est l'homme. Donc, on ne peut pas se préoccuper de l'appareil des institutions sans se préoccuper des animateurs des institutions qui sont les hommes. Mais est-ce que ce qui arrive à Perrinco aujourd'hui, c'est le seul cas de cette entreprise ? Est-ce que le phénomène se serait répandu également dans d'autres entreprises pétrolières ? Perrinco, c'est le numéro un. C'est le numéro un. Il est numéro un en tout. Numéro un en production, numéro un en violation des lois, numéro un en pollution, numéro un en trafic des emplois des travailleurs. Bon, il est numéro un en tout. D'accord ? Mais ce qui se passe à Perrinco, dans une moindre mesure, se passe dans les autres sociétés du secteur pétrolier. C'est un conglomérat, c'est un cartel. Et hier encore, ils avaient toute la couverture du pouvoir déchu. Et aujourd'hui, nous avons envie de croire que le CTRI va par la mesure réelle de la situation. Est-ce qu'il faudrait un audit finalement du secteur pétrolier, Bernard Christian Ricoula ? C'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable. D'ailleurs, je pense que le CTRI aurait tout à gagner en faisant un audit afin de savoir exactement où ils mettent les pieds ou du moins dans quelle situation se trouve le secteur pétrolier. Parce qu'effectivement, si on revient un peu dans le passé, dans l'histoire, mais nous avons connu Elf, nous avons connu Total, mais jamais nous n'avons entendu parler de catastrophes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais jamais nous n'avons entendu parler de catastrophes à répétition. Or, malheureusement, avec Perrinco, vous avez également Morel et Prom, parce qu'il y a eu également des pollutions au niveau du lac au Nanguet. Oui. Le problème avec Perrinco, c'est que on parle d'accident. OK, un accident, on va dire, c'est occasionnel. Mais lorsqu'un accident est récurrent, est quasiment hebdomadaire ou mensuel, c'est plus un accident. Donc c'est important. Vous savez, je discutais avec un ingénieur français qui a séjourné longtemps sur cette plateforme. Mais il me dit, mais monsieur Ricoula, c'est un secret de Polichinelle que cette plateforme était une bombe à retardement.
Donc c'était su et connu de la part des ingénieurs. Sans rien faire. Mais sans rien faire, malheureusement, comme je l'ai dit, la particularité des entreprises comme Perrinco, ce sont des entreprises déjà qui ne sont pas cotées en bourse, ça il faut le savoir. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'une entreprise cotée en bourse est assujettie à certaines normes. Et c'est une entreprise qui peut perdre de l'argent si, par exemple, il y a des scandales. Mais quand même, nous sommes en République, nous sommes dans un état de droit. Alors, quand une entreprise exerce comme ça, aux yeux et au-dessus de tous, on se pose quand même beaucoup de questions. Les codes ne sont pas respectés, la loi n'est pas respectée, et les téléspectateurs sont en train de réagir. Nombre d'entre eux se posent la question, quelle est la réponse du ministère du Travail sans d'abord regarder le ministère de tutelle? Le ministère du Travail existe-t-il seulement de nom? Pour revenir à la question de la précarité de l'emploi, le problème de la précarité de l'emploi a été posé il y a un mois sans aucune réaction du gouvernement. Juste appliquer l'ordonnance 20. Alors, messieurs, autant de réactions, ça montre que les Gabonais suivent quand même ce dossier, monsieur Mayami. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a une forte pression liée à cet événement. Il y a une solidarité nationale. Et dans le secteur pétrolier, les travailleurs de tous bords sont remontés. Nous avons créé les conditions d'une explosion humaine et sociale dans le secteur pétrolier si rien n'est fait dans les prochains jours. Et ça, il faut que les plus hautes autorités prennent en compte. Si dans les prochains jours, rien n'est fait, il y a fort à croire que pendant que vous serez au dialogue, la production pétrolière sera en arrêt. En tout cas, parole de l'ONEP, Bernard Christian Recoulet, effectivement, s'apprête à aller au dialogue. Vous êtes également, vous faites partie aujourd'hui de la diaspora, vous avez été un lanceur d'alerte, qualifié parfois d'activiste. Ensuite, quand même, par rapport à vos qualificatifs ingénieur NTIC, à côté de toute cette pression, finalement, on va au dialogue, on veut s'asseoir, mais les Gabonais se disent, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se parle. Qu'il y ait surtout de la vérité sur la table et qu'il y ait, pourquoi pas, au bout de la justice. Est-ce que vous pensez qu'avec des cas comme Perrinco, on pourrait, en un mois, essayer de balayer finalement les 56 ans du règne du pouvoir déchu? Mais déjà, il faut prendre des décisions courageuses. Il faut pouvoir faire arrêter cette mafia qu'il y a dans le secteur pétrolier et dans le monde des affaires en général au Gabon. Parce que vous savez, si des entreprises comme Perrinco ne peuvent pas se permettre d'avoir des attitudes, Perrinco et d'autres, ne peuvent pas se permettre d'avoir des attitudes pareilles en France ou ailleurs, c'est parce que là-bas, il y a des lois. Mais surtout, des hommes qui font appliquer ces lois. Malheureusement, nous sommes dans un pays où ceux-là même qui occupent les plus hautes instances dirigeantes sont ceux-là qui, justement, sont propriétaires de ces nébuleuses, de ces multitudes. Il y a conflit d'intérêts. Et on aura l'occasion de revenir sur la question juste après cette transition. Ne quittez pas, ne zappez pas, chers téléspectateurs. Vous avez toujours l'occasion de réagir sur nos plateformes sociales. L'émission, elle vous concerne également. On parle Lucas Le Perrinco, mais de toutes ces sociétés qui sont en activité dans le secteur pétrolier avec nos invités de ce soir, Sylvain Mayami Binet et Bernard Christian Recoula. À tout de suite. Le saviez-vous? Pour réactiver votre compte Move Money, il suffit de composer étoile 555 étoile 20 dièse.
Le saviez-vous? Mani, même le crédit là c'est cadeau. Étoile 555, yes, à qui? On te dit étoile 555, yes, à qui? Le grand débat du soir de ce lundi se poursuit avec nos invités Sylvain Mayabibinet, secrétaire général de l'ONEP, et Bernard Christian Rekoula, qui est en même temps lanceur d'alerte, acteur de la société civile, mais également ingénieur en NTIC. Alors messieurs, il y a plusieurs commentaires, je m'en vais d'abord lire certains. Il faut restaurer les inspecteurs de travail et le ministère de la fonction publique qui en ce jour aucune information, aucune communication de ce ministère car aujourd'hui Perrinco n'est que le début, d'autres suivront si les autorités restent muettes car les risques sont nombreux dans divers sites pétroliers, c'est vérité cachée qui le dit. Juste à côté, Jarul El Grande dit ceci, que l'État cesse de se comporter comme des sous-hommes face à ces entreprises étrangères qui font tout et n'importe quoi sans être inquiétés. C'est juste l'état d'esprit qui doit changer. On a également Warren Gemangema qui dit « Le problème du Gabon, c'est que vous laissez les entreprises étrangères transgresser nos lois. » Messieurs, autant de commentaires qui finalement fusent dans le même sens. Monsieur Mayabi, peut-être une réaction par rapport à ces commentaires. Bon, les commentaires, c'est la réalité que les gens vivent. C'est le ras-le-bol. Oui. C'est le ras-le-bol. Voilà, on ne peut pas dire on a un ministère du Travail et on n'a aucune action. On a un ministère du Pétrole, aucune action. On a des autorités, une inspection du travail spéciale, aucune action. Voilà, on se demande qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Et donc, nous réitérons. L'ONEP a été reçu par le président de la transition le 23 février dernier. Et les problèmes du secteur pétrolier ont été exposés. Et nous avons exprimé à la plus haute autorité notre engagement à œuvrer pour le maintien de la paix sociale, à condition qu'elle nous accompagne dans le règlement des problèmes qui sont posés. Alors, le président avait pris des décisions au cours de cette réunion. Mmh. Un mois plus tard, nous attendons l'effectivité de ces décisions. C'est cela que les travailleurs veulent voir. Mmh. Les travailleurs espèrent toujours que nous sommes dans un contexte qui est amélioré comparativement au temps du régime Bongo PDG. Nous demandons pourquoi les militaires ont ralenti leur élan qui a été impulsé depuis le 30 août. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une stratégie, comme je le disais déjà, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un audit, comme nous le rappelle un téléspectateur, Hans Péfouca, qui dit un audit du secteur pétrolier doit être fait par des experts de l'État. Ensuite, nous avons Christelle Indra qui dit ceci, nos vies ne comptent pas, voilà pourquoi ils agissent ainsi. Mais juste à côté, il y a également Claudia Nono Toucan qui s'interroge des prestations, dont les prestations, on en a marre, c'est la réaction de cet internaute. Et encore juste à côté, sachant bien que X sociétés sont au service sur notre territoire, comment se fait-il que les contrats adressés aux travailleurs de ces différentes sociétés ne sont pas visés par l'inspection du travail? Bernard Christian Rekoula, la question elle est entière. Mais oui, effectivement, c'est au risque de me répéter, si nous vivons cette situation aujourd'hui, ben c'est tout simplement à cause de cette mafia, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est à cause de cette mafia qui a été entretenue. C'est à cause de cette mafia qui fait en sorte que vous avez des inspecteurs qui souvent veulent bien faire leur travail, mais comme ils savent que devant ils seront butés à certaines autorités, mm-hmm. souvent ils préfèrent fermer les yeux. Mm-hmm. Malheureusement, au détriment de nos concitoyens. Ben alors, une enquête a donc été diligentée pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. On en a déjà parlé. Et ce n'est pas la première affaire contre Perrinco. Mmh. En France, on se souvient, je crois que c'était en 2022, il y a eu cette affaire contre Perrinco, notamment basée en RDC. Il y a eu plusieurs autres affaires. Est-ce que finalement, lorsqu'on accepte d'avoir une société dans notre État, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi regarder un peu ce que cette société a déjà fait ailleurs, M. Mayabi? Il faut regarder. Le problème, c'est qu'il faut regarder même
la moralité des directeurs généraux qui nous sont envoyés. Oui. Quand un directeur général est chassé au Congo et il est envoyé au Gabon pour venir se cacher de ce pour qu'on le reproche au Congo, et puis on l'accueille à bras ouverts et il commet les mêmes gaffes au Gabon qu'il en a commis au Congo. D'accord. Après, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est la terre d'asile des gens qui viennent rechercher l'expérience? Alors qu'on est censé recueillir, dans notre secteur, dans notre pays, des expatriés qui ont une expertise à nous apporter. Mais nous recevons des expatriés, depuis le directeur général jusqu'au superviseur, des gens qui viennent apprendre sur le terrain, avec les locaux. Et c'est eux qui se font passer pour ceux qui ne sont pas et qui donnent des consignes qu'il ne faut pas donner et qui poussent même les travailleurs appliquer des procédures contraires à celles qui sont définies dans l'entreprise. Parce qu'on veut réaliser des résultats, on veut faire des barils au péril de la vie des concitoyens. Des employés. Bernard Christian Ekoulon, on a beaucoup parlé de cette question parce qu'elle est importante, la précarité de l'emploi dans le secteur pétrolier. Mais à côté, il y a cette question de la pollution que vous aviez déjà commencé à évoquer. Alors vous, vous avez mené une enquête. Peut-être c'est aussi l'occasion de ressortir ici les conclusions de cette enquête. Il y avait Perrinco, il y avait d'autres entreprises qui étaient visées. Mais alors, des milliers de populations sont complètement subissent les conséquences finalement de cette pollution. Oui. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est que, comme je l'ai dit, les autorités de l'époque étaient informées. Lorsque j'allais sur le terrain, qu'il y avait des pollutions, qu'il y avait donc des pollutions diverses, j'informais personnellement les ministres de l'Environnement, les directions générales et autres. Je donnais les éléments physiques aux différentes antennes, donc des services de contre-ingérence, appelés B2, de la PJ, de la DGR. Mais tout restait dans des tiroirs. Donc c'est à la suite de cette inaction où nous avions décidé à l'époque, avec le rôle BG et bien d'autres acteurs, de rendre tout public afin de mettre une espèce de pression sur les autorités de façon nationale et à l'international afin de faire bouger les choses. Mais je puis vous dire que malgré ça, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et après, ce qui est triste, c'est que le fait de protéger cet opérateur au détriment des populations et même du pays se retourne contre nous. Parce que lorsque vous avez des terres qui sont complètement polluées, lorsque vous avez des compatriotes qui vivent d'activités liées à la pêche et autres, et qu'il n'y a plus de poissons, mais c'est le chômage qui augmente. Indépendamment de ça, lorsque vous avez des gens qui, depuis des siècles, de génération en génération, se nourrissent de ce poisson, s'abreuvent de l'eau de ces fleuves, de ces rivières, mais que cette eau est contaminée en métaux lourds, en hydrocarbures, c'est des cancers. Donc, c'est normal, après, qu'on constate un boom, une explosion de maladies des problèmes de santé publique. Monsieur Mayabi, comment on en est encore là? Nous sommes en 2024. Alors, face à ces cas de pollution, oui, parce que finalement, ce sont les populations peut-être de l'Ogoué maritime, puisqu'elles sont avoisinantes de tous ces sites pétroliers ou de Langouni encore autres, mais c'est quand même le Gabon qui en pâtit finalement. Oui, mais le problème de pollution, c'est des problèmes de choix. Vous voyez, les sociétés comme Perrinco, c'est des sociétés low cost. On veut dépenser le moins pour que le bénéfice soit record d'année en année. La maintenance des installations, des conduites pétrolières, si ce n'est pas fait, il y a des piercings, c'est ça le terme des piercings, il y a des fuites à gauche, à droite. Mais à un moment et un autre, il faut mettre les moyens pour entretenir l'outil de production. D'accord ? Plus qu'on veut mettre le moins de moyens possible sur les outils de production, on veut mettre le moins de moyens possible sur les conditions de sécurité, alors on enregistre beaucoup d'accidents et beaucoup d'incidents, morts d'hommes, pollution. Le Gabon qui se revendique être un champion de la préservation de l'environnement, c'est quand même choquant et ça pose le contraste avec ce qui se passe finalement sur les sites pétroliers, Bernard Christian. C'est d'autant plus choquant que je vais vous raconter une petite anecdote, disons deux. Oui. Il y a deux ans, pendant que nous n'avons fait que décrier des pollutions à répétition, mais aussitôt après, le directeur général de Perrinco était reçu à la présidence et à chaque fois, c'était pour la signature d'un contrat ou d'un avenant de contrat. Donc, pendant que nous nous attendions à ce qu'il y ait des sanctions, au contraire, Perrinco engrangeait de nouveaux
contrat ou alors, voilà. Mieux, pendant qu'il y avait ces pollutions à répétition, ben, le directeur général de Perrinco recevait des mains des autorités gabonaises à l'époque, recevait la médaille de l'ordre du mérite. Donc, allez-y comprendre qu'une entreprise low cost qui fait fi des règles de sécurité soit récompensée de la médaille de l'ordre du mérite gabonais. Incroyable. Au sein de l'ambassade de France. Incroyable. Ça, vous ne trouverez jamais ce genre d'action en Europe. C'est impossible. Donc, voilà le genre d'action qui fasse en sorte que lorsque des fonctionnaires veulent effectuer leur travail, mais à un moment, ils sont découragés. Parce que finalement, on pointe du doigt le ministère du Travail ou encore celui de tutelle des hydrocarbures, mais il y a aussi le ministère de l'Environnement, M. Mayabi. Bon, il y a simplement l'administration gabonaise. Public, c'est oui. tout. Il y a simplement l'État. Est-ce que ces autorités ces entreprises, voilà, j'y arrive, sont au-dessus des lois gabonaises ? Nul n'est au-dessus de la loi. En théorie. J'ai envie de dire... Oui, en théorie, et j'aime bien la remarque de M. Bernard. En théorie et en pratique. Nul n'est au-dessus de la loi. Celui qui viole la loi, qui n'est pas inquiété, c'est que celui qui est garant de la loi l'a laissé le faire. C'est tout. C'est des choix des gens qui sont dépositaires de l'autorité de l'État et qui démissionnent de leur mission régalienne. De leur mission, finalement. C'est tout. Oui. Oui, allez-y, oui. Bernard. Précieux. Vous avez, par exemple, je prendrai le cas de l'AGEOS, notre agence spatiale que tout le monde connaît. L'AGEOS avait un partenariat, il y a encore 2 ans, avec la NASA. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des satellites de la NASA survolaient l'espace Gabon, ils envoyaient à la NASA, ils envoyaient à la GEOS, photos, vidéos. Et c'est ce qui permettait à la GEOS de surveiller le territoire. Mais je vais vous apprendre que la GEOS avait découvert des pollutions offshore, donc sur des plateformes, pollutions qui ont duré près de 2 ans. Pollutions qui ont été suivies par la GEOS. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Pollution documentée. Et je puis vous dire que cette pollution, par exemple, documentée par la GEOS, et d'ailleurs j'invite tous les Gabonais à aller sur le site de la GEOS, vous pourrez voir que cette pollution s'est faite sur plus de 80 km². Incroyable. Mieux, la GEOS a travaillé en partenariat avec les eaux et forêts à l'époque, qui ont fait des prélèvements en mer et qui ont attesté effectivement de cette pollution. J'ai personnellement été, grâce à la plainte que nous avions vraiment avec beaucoup de mal déposer au niveau du tribunal de Port-Gentil, j'ai personnellement été en audition et en confrontation avec les directeurs généraux de Perrinco pendant 8 heures de temps. Mais les réponses qui ont été données par Perrinco sont des réponses mais extraordinaires. Et depuis cette plainte, je puis vous dire, voilà, le juge d'instruction à l'époque a été muté, et depuis la plainte est dans un tiroir. Alors, donc, monsieur, comme l'a dit monsieur, je pense vraiment que le CTRI aujourd'hui gagnerait véritablement à faire appliquer et respecter la loi en terre gabonaise. La maison de justice doit être finalement restaurée, parce qu'on parle de restauration des institutions. Monsieur Mayabi Binet, est-ce qu'on peut espérer mettre fin à ce genre de comportement, à ce genre d'acte ? Bon, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais après, on ne va pas espérer jusqu'au retour de Jésus. D'accord ? Voilà, donc on ne va pas espérer jusqu'à la mort. Il faut que l'espoir qui est entretenu par des nouvelles autorités soit traduit en actes. D'accord ? Je vais profiter de l'occasion pour partager le message des travailleurs du secteur pétrolier. En hommage à nos morts, parce que nous sommes tous en danger, en hommage à nos morts pour dire plus jamais ça, en hommage à nos morts pour interpeller les plus hautes autorités de l'État, le vendredi 29 mars 2024, de 7h30 à 9h30, sur toutes les installations pétrolières du Gabon, les sites pétroliers, les rigues, les barges, les ateliers, les dépôts d'hydrocarbures et les bureaux, pour ceux qui sont hors de Port-Gentil, il y aura un arrêt de travail de 2 heures de temps. Et à Port-Gentil, spécifiquement pour Gentil, ce même jour, vendredi 29 mars, à partir de 7h30, pour l'ensemble des travailleurs du secteur pétrolier et activités connexes qui sont dans cette localité, il y aura une grande marche de solidarité et de soutien et d'interpellation. Et au terme de cette marche,
la suite des événements à donner par d'autres organisations sera communiquée à l'ensemble des travailleurs. Alors, M. Mayabi, les téléspectateurs réagissent en disant, Eric l'a dit par exemple, mais il y a un mois que le NEP a saisi le CTRI pour convenir avec ce que vous disiez, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'y fait, on se sent abandonné. Christelle Indra dit, la justice aussi doit être refondée, donc dans cette dynamique de refondation des institutions, car beaucoup de corrompus s'y cachent. Mais il y a surtout Régis Stéphane qui dit, Monsieur Mayabi, la menace de grève n'inquiète plus nos employeurs. À un moment donné, il faut monter au créneau afin de se faire respecter et surtout se faire entendre. Alors, si vous avez brandi la menace de grève, qu'est-ce qu'il faut faire après pour se faire entendre selon Régis Stéphane? Non, nous avons mis le CTRI face à ses responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité finalement des employés du pétrole? Parce que si jusqu'à présent vous avez continué de travailler dans ces conditions, c'est que d'une certaine façon vous avez peut-être aussi été complice de ce qui se faisait sur les sites pétroliers. Une chose est certaine, c'est que lorsque vous avez sur un site pétrolier 80% du personnel qui est en contrat de précarité, ne leur demandez pas de faire des choses qui vont à l'encontre de leur superviseur. Parce qu'en sortant de là, leur contrat s'arrête, ils ne reviennent plus le mois d'après. Et ce n'est pas vous, l'ONEP, ce n'est pas vous, le secteur général de l'ONEP, qui allez donner de la nourriture à leurs femmes et à leurs enfants. Donc, à un moment ou à un autre, le véritable combat, c'est celui de mettre fin à la précarité de l'emploi. Ça restaure la dignité et la liberté des travailleurs. Ils auront dorénavant la capacité de dire, face à ce danger, je me retire. Parce qu'il a un contrat sécurisé, parce qu'il a des conditions de travail, des conditions parce salariales. Parce qu'il est déclaré à la CNSS, par exemple. Naturellement. Le problème aujourd'hui, c'est que cette précarité de contrat est moins et moins. En fait, c'est une stratégie pour garder captifs les travailleurs, pour leur dire, allez-y, arrêtez le feu avec les mains. Ben, il dit, bon, je préfère me brûler les mains, parce que si je n'y vais pas, quand je veux sortir de suite, je ne veux plus rentrer. Et j'ai ma femme, mes enfants là-bas, je ne sais pas comment je vais les nourrir. C'est choquant, Bernard Christian. C'est pourquoi nous disons, il faut mettre fin à ce type de contrat. C'est de l'indignité. C'est de l'indignité. Ça doit s'arrêter. Monsieur le président du CTRI, vous nous l'avez promis. Ça doit s'arrêter. Nous voulons un communiqué qui soit pris par le communiqué 0062 ou 63 qui met fin à cette pratique inhumaine et esclavagiste. Ça, c'est la phrase de l'ONEP. On retient les propos du secrétaire général de l'ONEP, Bernard Christian. On parle de pollution, on parle de sécurité au travail, on parle même d'infrastructures obsolètes. Mais finalement, au cœur de toutes ces problématiques, il y a surtout l'employé du secteur pétrolier. Il y a cette précarité. Ils sont nombreux à réagir. On ne peut peut-être pas lire tout le monde, mais qui se sentent directement concernés et qui n'ont d'espoir qu'envers les autorités de la transition. Ben oui. Déjà, pour revenir, comme ça a été dit plus tôt, c'est une précarité entretenue. Et mieux, c'est un moyen de chantage. Lorsqu'il y a des pollutions, par exemple, ce sont les mêmes, souvent des riverains, lorsqu'on est dans les terres, ce sont les mêmes qui, n'ayant pas de travail, qu'on va embaucher, qu'on va prendre à la va-vite pour une semaine, pour deux semaines, avec l'injonction de ne rien dire, de se taire. Tout à fait. Donc souvent, quand ils sortent de là, c'est avec des brûlures, parce qu'ils sont allés travailler avec un manque d'équipement. Souvent, ils partent de là avec des poumons affectés, parce qu'ils ont respiré du H2S. Nous n'avons fait que dénoncer cela depuis plus de 5 ans. Et malheureusement, comme on dit, les autorités laissent faire. Les autorités Donc, ont laissé moi, faire, lorsque j'ai vu le Premier ministre s'indigner, déjà, il y a quelque chose personnellement qui m'a choqué, c'est d'apprendre qu'il s'est rendu sur place sous les instructions du chef de l'État. Donc, en français facile, ça voudrait dire que si le chef de l'État n'avait pas donné d'instructions, aucune autorité politique ne se serait déplacée. Il y a quelques jours, j'ai donné, excusez-moi du terme, un coup de gueule sur les réseaux sociaux parce que quelque chose m'a choqué. Lorsqu'il y a une catastrophe de cette ampleur, la première chose que les citoyens veulent savoir, c'est avoir l'information. Avoir la bonne Malheureusement, avoir la bonne information et non l'information des réseaux sociaux. Malheureusement, aucun média public n'a fait comme c'est de Poutine ailleurs. Et nous l'avons suivi, et Bernard Christian, nous étions sur place, mais vous comprenez que le temps de revenir de Port-Gentil à Libreville, nos équipes ont pu faire des reportages
que le week-end, après votre coup de gueule, bien sûr. Mais on était sur place et on a suivi l'actualité avec vous. Alors, il y a Claudia Nono, puisqu'on est en train de s'acheminer, messieurs, vers la fin de notre émission. Il y a Claudia Nono, tout comme, qui dit quand même, oui, nous devons l'accepter, nous sommes complices, c'est la précarité qui nous y oblige. On n'utilise pas notre droit de retrait, on reste muselé, on subit, mais trop, c'est trop. Il y a le oui à la marche de solidarité, donc annoncée par le secrétaire général de l'ONEP. On espère que ce sera une marche pacifique, donc encadrée. Il y a également plusieurs autres réactions qui posent la question, qui reposent encore la question du ministère du Travail. Qu'en est-il des entreprises qui font de la mise à disposition des personnels et qui se font passer pour des entreprises de services pour ne pas payer leurs employés selon la convention pétrolière tout en les maintenant dans la précarité? Ça a été évoqué par le secrétaire général, M. Mayabi. En tout cas, les Gabonais disent trêve de bavardage, il faut agir, il faut y aller. Messieurs, c'est le dernier tour de table. Au sortir de cette émission, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici demain ou même d'ici ce soir, après cette émission? D'ici demain, le président de la République doit donner des instructions fermes. Nous voulons voir le ministre, le colonel, porte-parole du gouvernement, venir lire le communiqué 0063 qui met fin à la précarité de l'emploi, donc qui met fin aux prestations de services dans le secteur pétrolier et dans le Gabon tout entier. Nous voulons voir des décisions courageuses qui soient prises pour expulser les travailleurs expatriés, d'accord, en situation irrégulière dans nos sites pétroliers, et ce sont eux qui sont la cause parfois des accidents, avec des instructions erronées. Ils sont pleins d'incompétences notoires et c'est eux les superviseurs, les chefs, alors que nous avons des compétences qualifiées dans le pays. Il faut que le CTRI prenne ses responsabilités. Parce que si elles ne sont pas prises, les travailleurs prendront les leurs. Bernard Christian Récoula. Pour moi, je pense que ça n'a que trop duré. Il faudrait peut-être qu'il y ait plus de fermeté. Il faudrait peut-être que tout cela... qui se nourrissent sur la misère des Gabonais puissent aller en prison. Oui, il faut des actions fortes. Il faudrait que le gouvernement, que le CTRI puisse taper également là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Et au final, si Perrinco est incapable, mais quand je parle de Perrinco, il y a bien d'autres, s'ils sont incapables de respecter les droits humains, de respecter les règles en vigueur au Gabon, mais qu'ils partent. Qu'ils partent et que d'autres entreprises soucieuses de plus de règles et de dignité humaine prennent leur place. Parce qu'au final, vous savez, c'est comme le problème aujourd'hui qu'il y a à Mounana. Aujourd'hui, Mounana, c'est une ville fantôme. Oui, après Mounana, le passage de Comuf. Voilà, après le passage de Comuf, on a exploité, les populations étaient marginalisées. Au final... Qu'est-ce que les populations gabonaises ont bénéficié de ces exploitations? Rien du tout. On n'a même pas parlé du cas de la RSE, parce que finalement, exactement, les entreprises pétrolières... Rien du tout, si ce n'est des maladies. ...n'investissent pas dans la RSE au niveau de l'Ogoué-Maritime. Rien du tout, si ce n'est des maladies et des pollutions pour des centaines d'années. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de Mounana, de Comuf, mais aujourd'hui, vous avez de la radioactivité.